tout le monde, cette séance de jeu pas cool aujourd'hui. C'est la clôture des Jeux paralympiques. Et oui, c'est déjà fini. Après, pardon, après une semaine ou deux, non, une semaine et 2 jours à peu près. Merci de regarder cette vidéo et puis à la prochaine. Hello tout le monde, c'est Testeur du jeu pas cool. Aujourd'hui, nous sommes ici pour la clôture des Jeux paralympiques. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré une semaine et demie. Ça a commencé le vendredi et là, ça s'est terminé le dimanche. Je vous cacherai pas que je ne les ai pas vus, ces Jeux paralympiques. Je l'ai vu une seule fois. C'était une descente à ski, je crois. Mais bon, bref. Au début, j'avais un peu peur quand même pour ces jeux, puisque il y a eu l'incident, enfin l'incident entre, enfin le problème de la Crimée. Je voulais vous en parler, mais non, ça s'est déjà passé, ce n'est pas grave. Donc, avec cet incident, on s'en foutait des Jeux paralympiques, mais comme la Crimée et le Caucase, ils sont assez proches quand même, enfin, c'est pas qu'ils sont assez proches, mais c'est que géographiquement, c'est tout près, enfin, à peu près, oui, bon, ok, ça peut faire, ok, peut-être plusieurs heures de route, mais bref, c'est le Caucase, là-bas. Donc avec cet incident, mais il n'y a rien eu, Poutine gère bien ses trucs, c'est une très bonne personne, je trouve. Il va refaire en sorte, il va refaire une nouvelle URSS beaucoup plus performante. Mais ça, c'est mon avis, et on est là pour les Jeux paralympiques. Alors, ouais, c'est terminé. J'ai pas regardé, j'ai rien regardé en fait, sauf la seule fois. Mais je sais pas, il y avait rien. De toute façon, ils montraient pas souvent. Hein. De toute façon, ils montraient même pas, je crois. Et aussi parce que j'étais occupé toute la semaine. Bon, ce sont mes choses, enfin, ce sont mes problèmes, on va dire. On va appeler ça des problèmes. Même si ce n'en est pas. Mais donc, en plus, ça durait qu'une seule semaine, c'était pas beaucoup. Mais bref, bon ben, cette vidéo est très courte sur un jeu assez cool quand même. Je crois, oh, je sais plus ce que c'est. Oui, je me souviens plus de ce jeu. Vous avez vu du Halfpipe, je crois, là, on snowboard. Il n'y a pas ça dans les Jeux paralympiques. Vous avez vu une descente, ski, je sais plus, c'était le. Non, c'est un slalom, comme ça. Enfin, je sais plus, je crois pas que c'est pas un super G, c'est pas un. Bref, ouais, ok. Ouais, une descente, comme ça, vous avez vu. Et là, c'est le Boba 4. En fait, tous les sports que je vous montre ne sont pas dans les Jeux paralympiques. Je trouve ça très dommage. Mais bon. Je sais pas si vous avez regardé, mais moi non. Ouais, bon, je l'ai déjà dit 20 fois, je crois. Mais bref. Cette vidéo va bientôt toucher à sa fin. Voilà quoi, les Jeux paralympiques. Et que c'était des jeux assez magnifiques. Parce que c'est dommage qu'on n'en parle pas assez souvent, mais ça se passe sous une bonne ambiance, des meilleurs esprits d'équipe, je trouve. Bon, ben. Il y a plus de fair play. Ouais. Bon, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis. Au revoir! Ok, oui, bon, peut-être pas maintenant. Je vais vous le dire dans 3, 2, 1. Nouvel an! Non, c'est pas vrai. Au revoir! Veuillez vous abonner et puis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voici mes 2 dernières vidéos. Vous pouvez cliquer pour les regarder. Au revoir!